Nous sommes dans l'eau. Aidez-nous, s'il vous plaît. Nous sommes en train de mourir. Nous sommes dans la mer, dedans. Il fait froid. Ce sont les derniers mots prononcés par l'une des 27 personnes exilées mortes dans une traversée de la Manche en 2021. Parmi elles, une petite fille de 7 ans. Il leur a été répondu « Oui, mais vous êtes dans les eaux anglaises ». Collègues, j'alerte. Il serait erroné de ne voir dans cette réponse qu'une faute individuelle, sans percevoir la longue entreprise collective de déshumanisation raciste qui l'a rendue possible. Tant de paroles ont alimenté ces dernières années. Ce processus au terme duquel certaines vies ne valent pas la peine d'être sauvées et certaines morts d'être pleurées. Cette tragédie est l'aboutissement de politiques dont le paradigme est toujours la sévérité contre tout soupçon de laxisme. Nous savons au fond quel est le point culminant de cette rhétorique mortifère, le laisser mourir en mer. Encore une fois, il faut revenir à la raison. L'humanisme n'est pas une opinion politique. Elle est une exigence morale qui s'impose à tous. Ce que la mort des autres ne foudroie plus s'écarte de notre commune humanité.